Bonjour et bienvenue si vous rejoignez RPL en cette fin de matinée. Je m'appelle Nicolas Grosminet et vous êtes à l'aube de la 22e édition des Sales Gosses sur RPL. Comme chaque mercredi, nous remercions toute l'équipe des Sales Connection pour nous avoir cédé l'antenne sur les bonnes ondes de votre station préférée. Cette semaine, pas d'invité, mais une équipe au complet et en forme. Depuis ces quelques beaux jours de soleil, dans notre belle métropole, Cédric Porteplume, votre reporter de vœux dévoué, n'a pas résisté à l'idée de retrousser son pantalon pour aérer ses guibolles velues et enfourcher sa petite reine. Dans les rues de Lille, nous parlerons bien de vélo pour tous les esprits un peu tordus qui auraient déjà compris de travers. Monsieur Barjaville nous sensiblera à l'abstention et non l'abstinence pour le reste des esprits tordus. Notre technicien Superman, Patoche Lugano, qui s'éclipsera pour la Grèce tout simplement, au cours des deux prochaines semaines, mais qui est avec nous pour cette semaine et il reviendra dès qu'il aura terminé de faire un petit tour, en tout cas le point là-bas, avec de nouvelles playlists, plus chaudes encore, à son retour. Et enfin, cette semaine sonne la grande remise à niveau des quotas discriminants de l'émission que sont le rapport homme-femme et le handicap en entreprise, puisque Delphine Black Mamba est de retour, et oui, elle nous a préparé un sujet délicieux sur le tatouage. Qu'est-ce que c'est que cette présentation? Bonjour à tous. Tout le côté handicap. Je suis ravie d'être là ce matin. Vous allez bien les copains? Très bien, ouais. Ça va, yes. Très bien. Bon alors, vous étiez où, Black Mamba? Où étais-je? Oui, tout le monde voudrait le savoir maintenant. La semaine dernière, vous étiez où? Bah, j'étais là. Non, vous étiez pas là la semaine dernière. Mais si, j'étais là. Elle était cachée. Bah, ouais, moi je me souviens qu'elle était là aussi. Mais il y a deux semaines. C'était il y a 15 jours. Ah oui, il y a 15 jours. C'était il y a 15 jours. Ça passe à une vitesse. Monsieur Grosminet, où était votre esprit la semaine dernière? Je sais pas. Ah oui, mais c'est vrai, c'était Black Mamba qui était là. C'était vous qui n'étiez pas là. J'arrive un petit peu en retard. Mais vous ressemblez tellement. Mais c'est vrai. C'est mon côté féminin. Tellement Delphine, quand elle est là, de toute façon, on l'entend puisqu'elle glougloute. On s'en rappelle très bien. Rien de neuf à part ça, monsieur Porteplume? Bah comme d'hab, hein. Bah non. Mais peut-être voir un match de foot. Ah bah si, j'allais voir un match de foot. Ah bah c'est bien, intéressant. C'était une victoire en tout cas. Bon. J'allais dire que c'était un bon match, mais non, ce serait un peu mentir. C'était pas un mauvais match. Mais c'était pas un bon match. C'était pas un bon match. Ah, il a l'air emballé. C'est hein. Pareil que la différence entre un mauvais chasseur et un bon chasseur, quoi. D'accord. Ok. Et monsieur Barjaville, cette fois-ci, il est là pour toute l'émission. Ouais, absolument. Bah, j'ai fait un peu de cuisine, tiens, ce week-end. Ah, bravo. Ouais, vous avez fait quoi? Défi culinaire. Bon, un petit défi Top Chef, perso. Super. Voilà. Et alors, vous avez été noté, vous avez gagné? Bah, comme j'étais le seul à me noter, si vous voulez, je m'en suis pas trop mal sorti. Heureusement. Vous avez fait à manger que pour vous-même, en fait, c'est ça? Absolument. Bon. C'était quoi la recette? Déguster quoi, des insectes, ouais. Ou... Ah non, d'ailleurs les insectes il faut que je les commande, c'est vrai qu'on en avait parlé. J'ai une petite idée à ce sujet là. Ah oui, une petite idée. Ah, à ce sujet. Alors on la garde, oui, on la garde au frais. On la garde sous le coude. Ouais. Vous avez choisi RPL pour une heure de détente, de divertissement et de bon son. Et vous avez eu raison. Tout de suite un premier morceau avec notre ami Patoche, l'émission des sales gosses. Ça met la patate et ça commence maintenant. Swing on, run out. Take you knees and move a feet you crazy as well. Clap your hands, snap your fingers and sing. Bobe, bobe. Here comes Minnie North dancing ring. The king of the king, the king of the swing. So clap your hands, snap your fingers and sing. Rather swing. Finger the sing, boop dip dip. Here comes Billy North dancing, ring ring. Looking for the king, looking up a swing. So clap your hands, tap a finger the sing. Better swing. Sing, boss, ride, I swing. Come on,
Les plus grands artistes internationaux côtoient les meilleurs espoirs régionaux. RPL, l'autre radio. Vous êtes toujours au sein de l'émission Les Sales Gosses. Merci à tous nos auditeurs qui m'excuseront des quelques économies de syllabes que j'ai réalisées lors de la présentation. Nous parlerons dans quelques instants. En crise. Oui, voilà, c'est ça. C'est des paroles qui coûtent cher. Donc maintenant, on fait au mot, voire à la lettre, vous voyez. Dans quelques instants, on va parler de tatouage avec Black Mamba. On parlera aussi d'abstention avec notre ami. Barjabul, il se gousse tout lui-même. Temps. Ils sont tous en train de se gosser à chaque fois que je parle d'abstention. Et ils espèrent tous que je vais peut-être réaliser que l'erreur. Que votre langue fourche. Voilà, à nouveau. Et Monsieur Porteblume nous parlera donc de vélo, hein, pour tous ceux qui n'avaient pas compris la présentation. Mais tout de suite, on se retrouve avec la rubrique de Cédric. La rubrique de Cédric. La rubrique de Cédric qui, comme son nom l'indique, va commencer avec une petite info de Black Mamba. Eh oui. On est parti, JB ? Oui, bah, si vous voulez. Hein, bon, c'est bah allez, vous... là. Nous, on attend. C'est une émission à deux vitesses. Ce oui. Ça vaut pas que pour vous, hein, moi aussi, je peux être un petit peu pas sûr. Forcément réveillé. Dur de la feuille. Bien sûr. C'est ça. Alors, je commence, c'est parti. 48 heures après avoir récupéré un chat dans une clinique vétérinaire, ses propriétaires l'ont ramené à la SPA pour cause de flatulence trop prononcée. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah, apparemment, c'était impossible de le garder dans l'appartement, donc du coup, ils ont dû le ramener à la SPA. Enfin, quoi qu'il en soit, sachez que l'animal a trouvé maître et avec un appel criant sur Facebook, il a trouvé un foyer il y a une petite semaine. Voilà, c'est quoi, ça, c'est... il le nourrissait avec des haricots ou... Je sais pas, mais apparemment l'alimentation a joué et le passage à la SPA a permis de contrecarrer ces flatulences un petit peu trop prononcées. Voilà. Bien. Après, une nouvelle fraîche. Bien. Voilà. Bonne entame. On commence bien. Bah, la semaine dernière, on commençait avec l'anus des tortues. Je me suis dit qu'il fallait quand même garder un certain standing. Perdons le standing de l'émission. Au sein des soyons dans le thème. On va se faire une réputation. Alors ensuite, un chiffre un petit peu hallucinant. Les Français consacrent en moyenne plus de 28 heures par an à essayer de joindre les services clients des entreprises et services publics. J'ai entendu ça. 28 heures par an. Ouais. C'est un peu hallucinant quand même. Et ça comprend... Que les services publics. Non, ça comprend les entreprises, services clients d'entreprise, mais aussi les services publics. D'accord. Ah oui. Ah oui, j'allais dire parce que le service public en prend toujours un coup au passage. C'est oui. Au téléphone. Au téléphone. C'est pas c'est les temps d'attente. Non, le temps d'accord. D'attente au téléphone. Okay. Et donc ça comprend le temps de trouver le numéro de téléphone, d'arriver à joindre quelqu'un et ensuite de naviguer entre les différents menus que vous connaissez. Il faut toujours taper sur 12 000 chiffres avant d'avoir quelqu'un au bout du fil. Oui. Voilà, ensuite... 28 heures en euros, je me demande ce que ça fait. La note, ça ils aussi, ont calculé, hein. Ouais. Ça représente 1,6% du PIB, quelque chose comme ça, c'est un truc hallucinant au final. Ah ouais. Par personne. Ah ouais. Par personne. Non. En tout, ah bah, monsieur, on a ça y est, on a compris pourquoi on fait du déficit en France. Exactement. Voilà, tout s'explique. Ensuite, on a trouvé le plus vieux message jeté à la mer. Il a été repêché au nord de l'Allemagne. Il avait été lancé en 1913. Et donc, ce qui fait de lui le message le plus long et le plus ancien retrouvé bouteille à la mer. C'est cool, ça disait « aidez-moi », mais bon, c'est peut-être un peu tard, du coup. Non, ils n'ont pas réussi à déchiffrer, en tout cas, le message, mais ils ont juste redéchiffré l'adresse et ça a été renvoyé à la petite fille de la personne en question. Quelle belle histoire. Quelqu'un, quoi qu'il arrive, est mort. Ah oui, lui... il coupe la musique pendant que je dis ça, c'est tranquille. Il est mort. Oui, non, paix à son âme, mais oui, effectivement, il avait disparu il y a quelque temps déjà. Ensuite, d'accord. Curieuse découverte, en vidant un poisson, un pêcheur a découvert un sextoys dans le poisson. Oh le coquin. Le coquin. Un sextoys d'à peu près 15-16 cm qui était quand dans même. Un magnifique cabillaud de 6 kg. Ah. C'est voilà, pas le coquin, c'est le gourmand. Faut faire attention, mais pas seulement aux arêtes, visiblement. Non, apparemment non, mais heureusement il l'a retrouvé avant. C'est hein, comme mais... ça qu'il se coince dans la gorge. On peut s'étouffer ou pas ouais, une petite dernière ou... Oui, une toute petite dernière. C'était en Italie cette fois, c'est une info pas vraiment cool. Pas vraiment cool, déjà la manière dont c'est dit, je trouve ça une... cool. Une femme qui a eu recours à une procréation médicalement assistée et qui a découvert au bout de 3 mois qu'elle portait pas ses enfants. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on lui a fécondé... Ah oui, j'ai entendu ça, voilà, oui. Ah ça c'est hallucinant. Et donc elle a des jumeaux, enfin en tout cas elle porte des jumeaux. Mais des humains quand même. Des humains ah quand oui, même, ça va. Apparemment. On me parle de deux chiens. Non, c'est... Il va loin porter plus. Non, c'est effectivement des enfants, mais c'est pas les siens. Ils ont déjà des jouets dans le ventre ou pas, eux des enfants.
Les toys, tout court. Je préfère pas relever. On enchaîne. L'émission des Sagos, tous les mercredis de 11h à midi sur RPL. L'émission la plus lourde du monde, c'est une matinée qui a beaucoup de mal à décoller. Appelez le Guinness, vite. Autant pour les blagues que pour le reste. Alors, Yvan, monsieur Portepipe, on compte sur vous, hein. Alors moi je vais essayer de vous donner un peu de rêve parce qu'avec le retour des beaux jours on a qu'une envie le week-end c'est de faire du vélo. Non, ça viendra tout à l'heure. Ah, pardon, le vélo. Bon, bon, chaque chose en son temps. Soyez patient. Non c'est d'inviter les potes, la famille et de faire un bon barbecue. Ok, oui. Par contre, commence à sentir quelques odeurs des fois. C'est vrai, flanant. C'est vrai. Oui, c'est pas et vrai. On entend quelques crépitements. Des odeurs de barbecue, j'entends bien. C'est le fameux chat. C'est le fameux chat. Donc je parlais barbecue, moi j'y reviens. Par contre, le côté moins sympa, c'est que pour inviter ses amis, bah, c'est bien d'avoir une pelouse bien tondue, un jardin bien propre. Et donc ça peut être une vraie corvée, ça finalement tonde sa pelouse, mais c'était une corvée jusqu'à hier. Mais aujourd'hui, Honda a sorti la Min Mower. Qu'est-ce que c'est la Min Mower? C'est la tondeuse la plus rapide du monde. Elle peut atteindre 187 km à l'heure. 187 km. Donc je peux vous dire qu'avec ça, vous allez tondre votre pelouse en tout trois mouvements. Juste faire gaffe au virage quoi, autour des arbres. Vaut mieux pas avoir d'arbre dans ce cas-là. Ouais. C'était la seule info, monsieur Portepipe. Non, j'en ai d'autres. Ah, dites-moi, j'ai oui. un petit peu de temps. Ah bah oui, allez-y, je vous écoute. Le joueur de foot Cristiano Ronaldo a réussi à sortir un jeune Polonais du coma. Le jeune homme a fait une mauvaise chute et donc il restait 3 mois dans le coma. Et les médecins savaient qu'il était fan de Cristiano Ronaldo, donc ils ont décidé de lui mettre des écouteurs avec les commentaires d'un match dans lequel jouait le Portugais. Le match était Portugal-Suède et au moment où le Portugais a marqué un but, et le jeune homme a ouvert les yeux. Non. Et il a été sorti du coma. C'est hasard ou... C'est une histoire de Walt Disney. Non, c'est apparemment, c'était volontaire de la part des médecins. Notre équipe va enquêter sur le terrain pour vous. Non, c'est pas un hasard. Les médecins ont cherché vraiment à stimuler son cerveau et en lui diffusant quelque chose dont il savait qu'il était fan et ça a marché. Et donc Cristiano Ronaldo, qui est quand même réputé pour être assez sensible aux causes humanitaires, je dirais, il a invité le jeune homme et sa famille à assister à un match de foot dans lequel il a marqué un but en plus. Spécial dédicace. Moi je me pose la question, monsieur Barjabul, qu'est-ce qu'il vous faudrait vous pour vous réveiller? Quel genre de choses pourrait vous stimuler vous? Est-ce que vous sous-entendez que je suis endormi à l'instant où on se parle? C'est juste une question que je me disais, voilà. Vous êtes en train de vous enquérir de ma santé présente? Vous qui êtes fan de foot. Excusez-moi, j'ai joué au Scrabble hier, là, je me suis enflammé sur le vocabulaire. Donc je vais revenir à. Vous qui êtes fan de foot, peut-être que c'est un autre, ou alors peut-être un chanteur ou quelqu'un, non? Faudrait vous parler de qui? Tino Rossi, vous aiderait à vous réveiller? Oui, voilà, il y a l'idée. Voilà. Tino Rossi, j'aime beaucoup. Fan de Tino Rossi. Très bien, une petite dernière, monsieur Porteplume. Allons-y, une petite dernière. Imaginez que vous êtes au boulot tranquillement quand un de vos voisins vous appelle pour vous dire qu'un huissier a forcé votre porte et commence à saisir vos meubles. C'est ce qui est arrivé, donc cette petite histoire à Marie-France Hérion qui habite dans la région d'Andenne en Belgique, une amie belge. On passe le bonjour à nos amis moucronois. Tout à fait. J'ai failli le dire. On en profite. Le problème, c'est que cette dame. Il y a David, exactement. Le problème, c'est que cette dame, en fait, elle avait aucune dette. Et quand elle est arrivée chez elle, du coup, l'huissier l'a calmée tout de suite. Lui a présenté ses excuses et en fait l'erreur était due à un bug du GPS, donc il s'est trompé d'adresse à côté du GPS. Il a forcé la porte. Comme quoi une bonne vieille carte. Oh là là. L'abruti. D'accord. Voilà. Elle va être dédommagée L'histoire s'arrête là. Oui, donc l'huissier va prendre en charge le remboursement de la serrure, bien entendu. Et comme c'est un véritable gentleman, il a fait livrer un bouquet de fleurs à celle-là. D'accord. La mauvaise adresse. L'émission des Sagos, ça met la patate. Pour la suite, on va se retrouver dans quelques instants avec un sujet sur les tatouages et Black Mamba, l'abstention et le vélo avec nos deux compères, Barjabul et Porteplume. Mais tout de suite, c'est notre patoche internationale qui nous propose un bon son. A tout de suite. J'ai poussé la porte comme tous les soirs. Je rentrais du taf, il était déjà tard. Ton air désemparé, encore dans ton peignoir. Tu me stressais déjà ce lundi soir. Mais t'as foutu quoi ta journée? Moi, rien. Ici c'est crade et moi je suis crevée. Le baptême du feu va nous être donné. Je monte à la sauce, c'est bon, t'es prêt? J'ai senti monter le degré de nos sangs. J'ai senti que le clash était imminent.
apprivoisé ne tardera pas à se barrer. Je suis acariâtre, tu grinces tes dents, ma voix tranchante perce tes tympans. Cesse de me traîner dans la boue où je hurle à te rendre fou. Si tout ce que je sais faire c'est gueuler, alors vas-y, t'as qu'à me frapper. J'ai senti monter le degré de nos sangs. J'ai senti que le clash était imminent. Je suis une enfant gâtée. Toi qui es un gamin très mal élevé. J'ai senti monter le degré de nos sangs. J'ai senti que le clash était imminent. Je suis une enfant gâtée. Moi je t'accorde un dévouement absolu. Me traite pas de tyran, mais quel faux cul. Ah, je suis qu'un despote bien roulé, mais abstiens-toi de me parler. Casse-toi, tu m'embarrasses avec ta paresse. Moi j'ai besoin d'ordre, ça m'amuse plus jouer à la marche. J'ai senti monter le degré de nos sangs. J'ai senti que le clash était imminent. Je suis une enfant. Vous êtes toujours au sein de l'émission RPL, l'émission Les Sales Gosses. Ce matin, c'est un petit peu la galère pour moi-même, pour tout ce qui est présentation. On l'aura, c'est comme ça. Il y a des matins comme ça, il n'y a rien à faire. Mais tout de suite, on va retrouver... Delphine Black Mamba. Oui, Delphine Black Mamba, justement, pour un sujet sur les tatouages. Et c'est parti. Ladies and gentlemen, le débat de Black Mamba. Bah oui, on l'entend pas souvent ce petit jingle, hein, mais on est bien content de l'avoir pour une fois, Delphine. On a l'impression d'entrer dans l'arène avec carrément. Ce jingle. Allez, on est chaud, on vous écoute, c'est on parti. On est chaud, c'est parti. Alors ce matin, oui. Nous allons parler d'un sujet haut en couleur, enfin oui. Ça dépend de ce que vous aimez, et piquant, ça on peut pas vraiment y échapper, parce que je parle évidemment du tatouage. Tout à fait. Je peux me permettre, juste un instant. Dites-moi. Je vous laisse peut-être en parler, mais à la télévision on voit pas mal d'émissions, Ink Master, etc. Ça vous parle ou pas? LA Ink, Miami Ink. Ouais, avec des gens toujours assez... Oh yeah. Oh yeah. Avec un style particulier, on peut le dire, hein, mais... Beaucoup de tatouages, mais voilà. Effectivement, beaucoup de tatouages et beaucoup de styles différents, de personnes différentes et qui viennent avec plein d'histoires en plus. Allez-y. Toujours les plus farfelues les unes que les autres. On vous écoute, Delphine. Pratique universelle et ancestrale, le tatouage fait partie des coutumes de nombreux peuples. Les plus anciennes traces auraient été découvertes sur un homme mort il y a plus de 5000 ans. Quand même. Ah ouais. Donc ça date d'un peu. Il a fait ça avec quoi? Alors je sais pas avec quoi, mais en tout cas c'était des petits traits parallèles. Alors c'était rien de foufou, hein, ah mais oui. Bon voilà. En fait, c'est fait griffer quoi. Ok. C'était des croûtes. Non, alors voilà. C'était des croûtes. Rite initiatique, signe d'identité ou marque protectrice chez les Celtes, les Japonais, les Égyptiens ou les Polynésiens. Le tatouage a presque failli, je ne vais pas y arriver, a presque failli disparaître des traditions tribales, mais au 18e siècle en tout cas, il est revenu sur la peau des marins. Avec différents signes et ce qu'on appelle aujourd'hui le style old school. Old school, d'accord. Old school. Des entre-marines, des dauphins, des sirènes. Des cœurs, des pin-up, des ancres, voilà. Toutes d'accord. Ces petites choses-là, ça, c'est le style old school. C'est ça. Des étoiles de mer, des poulpes. c'est ça. si vous voulez, je ne sais pas. Alors, en tout cas, le tatouage, donc noir, blanc ou couleur, et c'est bien ces couleurs-là qui ont fait polémique ces derniers mois. Oui, on en avait parlé, Bérénice en avait parlé en décembre à l'émission. Du cuivre. Donc, en fait, voilà, c'est ça. C'est la polémique, en fait, elle s'est passée en 2013, mais elle avait débuté bien avant, parce que déjà en 2007, l'Académie de médecine avait dressé un bilan assez alarmiste sur les pratiques de perçage et de tatouage, mais à ce moment-là, jamais ils avaient fait allusion à l'encre en tant que telle. Oui. En 2008, le Conseil de l'Europe a aussi adopté une résolution pour les critères d'innocuité des tatouages. Et dans le même temps, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé s'est saisie de la question et a décidé d'élargir un arrêté pour justement interdire certains colorants. Donc il devait interdire 59 colorants sur 53 utilisés dans les produits cosmétiques. Attends, 59 sur 53 utilisés. 59 sur 153. Ah d'accord, j'avais pas compris, je t'ai dit. Donc, je vous écoute moi, je sais pas si j'ai remarqué. Finalement, le 1er janvier 2014, il y a beaucoup de colorants qui devaient être interdits, mais ça l'a pas été.
D'accord. Donc, aujourd'hui, vous pouvez encore vous faire tatouer en couleur. Bon. Donc, si vous aviez commencé une grosse pièce dans le dos en couleur, pas terminée, vous pouvez y aller, vous pouvez continuer, quoi. Il est encore temps. Il est encore temps. Il est encore temps. Bérénice nous disait que ça lui grattait le rouge. Hein, les bah ouais, rouges. Apparemment. Mais bon, après, j'ai envie de dire, je pense qu'on utilise pas mal de produits aujourd'hui. Et encore dimanche dernier, je regardais une émission qui parlait des gels douches, etc. Oui. Où on retrouve pas mal de produits allergènes aussi. Et on continue de les utiliser. Et pour autant, il n'y a personne qui nous dit rien non plus. Bon. Donc voilà, je me dis qu'entre engueuler. Deux, non mais à partir du moment où on est au courant des risques et qu'on y on va comme ça, on peut y aller. Je pense que après, je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais bah moi le tatouage, c'est un monde que je connais pas trop et je découvre par contre qu'on peut se faire tatouer en blanc. Oui, en blanc. L'encre blanche existe. Ça, je savais alors, pas ça. Moi, j'en ai partout là, vous voyez pas. Ah, il faudrait peut-être voir un peu le soleil d'ailleurs, porte-plume là. À la base, c'était pas forcément. C'était pas que des tatouages en blanc, mais maintenant, en tout cas, ça l'est devenu de plus en plus depuis cette fameuse polémique. Quand les gens ont appris que les couleurs allaient peut-être s'arrêter, ils se sont mis au tatouage en blanc. Alors, il faut avoir la peau très très claire. Alors, le risque, c'est que ça vire au jaune ou que ça ne se voit plus du tout. Alors, voilà, par contre. Bien, et ça coûte assez cher aussi. Ça coûte beaucoup plus cher dans le sens où quand on fait le tatouage, on voit pas ce qu'on fait forcément, donc et ça saigne aussi beaucoup. Du coup, il faut s'arrêter, il faut faire ça en plus petits morceaux. Vous êtes bien en dessous, hein, parce que je sais qu'il y en a qui font des tatouages, mais au blanco avec les stylos blanco. D'un point de vue allergène, je pense qu'on y est là quand même. Hein, sur le blanco, sur la peau, je suis pas certaine que ça soit tip top. Enfin, en tout cas, voilà, il y a différents styles, que ce soit du noir et blanc, de la couleur, le style tribal qu'on connaît tous, hein, parce qu'on en voit, mais on sait jamais, pas moi, quand on joue. Quelqu'un avec un signe tribal tatoué, je lui demande ce que ça veut dire. Généralement, les gens ne savent pas répondre. Hein. Non, ils disent non, c'est un truc personnel. Ah oui, c'est ça. Oui. En gros, je sais pas ce que ça veut dire. Non, il y a le tribal, mais il y a les écritures aussi, lettrages, etc. Bon, ça évite de vous tatouer le nom de votre mec, enfin, ou de votre copine. Ou alors, il faudra vous retrouver une copine du même nom. Ça paraît un petit peu compliqué, mais voilà, évitez quand même alors, ce genre les de. Les signes de chinois aussi. Oui. J'ai ma belle-sœur qui est chinoise pour la petite anecdote. Et un beau jour, on était dans un restaurant. Il y avait la serveuse qui avait des signes chinois dans le dos. Et alors, elle commence à péter de rire. Je dis, mais pourquoi tu rigoles? Elle me dit, bah, c'est marqué casserole dans son dos. Oui, bah, je disais un truc justement. Une nana c'est pensait, bon, ça te fait tatouer le signe de la liberté. En fait, c'était juste soupe. Elle s'était fait tatouer le mot soupe. Bon, c'est tout de suite moins glam, mais bon, personne de toute façon est capable. En Europe, t'es tranquille, mais voilà, c'est juste quand tu vas te balader là-bas, ils vont se marrer. Quoi. J'ai envie de dire pourquoi. Voilà, mais après, encore. On a des fleurs, alors c'est masculin, oui. C'est féminin à la base, mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont tatoués des fleurs. Fleurs. Oui. Ça peut être viril. Japonais, oui. Old school, on en parlait. Oui. New school, alors ça reprend les codes du old school, mais avec plutôt en s'inspirant de BD, graffiti, etc. Oui. Donc c'est plutôt autre chose. Nature, jeux vidéo, les sciences, voilà, il y a plein de styles différents. Humour aussi, non? Parce que j'ai entendu parler d'un tatouage que quelqu'un s'était fait sur le ventre et oui, donc c'était là, un chat vu de dos. Oui, bah là vous allez la vous queue spoiler levée le... et puis voilà, c'était le nombril qui faisait l'anus du chat. D'anus, absolument. Exactement, voilà. Et c'était incroyablement bien réalisé d'ailleurs. Vous avez l'air d'être connaisseur en chat. Non, mais j'ai vu ça justement récemment et ça m'a vraiment. Si on en vient tout de suite au pire tatouage ou au pire endroit en tout cas, donc effectivement, l'anus du chat, j'allais en parler parce qu'effectivement, c'est un incontournable. Alors. Ça peut être un chat, mais tout autre animal. Hein. Je pense une tortue, par exemple. Ou, ce qui permet de respirer par le nombril, du coup. Ou même un homme ou une femme, hein, bien sûr. Alors après, il y a aussi l'utilisation du haut de l'arrêt de ses fesses pour faire la grotte avec les sept nains autour, une tortue sur le crâne, un string, pourquoi pas, une bouteille de Tabasco. Alors le mec, c'est un jour, s'est dit, tiens, je vais tatouer ma bouteille de Tabasco. Bah, je préfère encore ça que soupe ou casserole. Une tête de cochon ou, alors mon préféré, c'est la tête de Nadine Morano dans le dos. Non. Si, je l'ai vu ce week-end, donc c'est possible. On pourra voir, vous allez nous mettre tout ça en lien sur le Facebook. Oui, bah, on peut, bien sûr. Qu'on puisse payer une tranche de rire. Il n'y a aucun souci. Alors, si vous me permettez, je vais vous donner quelques petits conseils, enfin en tout cas pour celles et ceux qui ont envie de se lancer dans le tatouage. Dans un premier temps, réfléchir au choix du motif. Donc éviter de piquer l'idée de quelqu'un d'autre ou de donner l'angoisse de la peau blanche à votre tatoueur. Le tatouage doit vous correspondre et non pas refléter la sensibilité du tatoueur. Dans tous les cas, il faut que le motif vous colle à la peau. Ah, ça va pas être difficile. Joli. Choisir l'emplacement avec soin, donc faire attention à certaines parties du corps qui sont toujours actives et soumises à de nombreuses agressions comme les mains ou toujours en mouvement comme la nuque ou soumises à des variations de poids.
Oui. Effectivement, sinon on se retrouve avec un petit chat et puis à la fin oui. un gros tigre. Ou alors tout ce qui se passe sur le ventre aussi, oui. Voilà, surtout pour les femmes, ouais. Voilà. Pour les enfants, qu'il y avait un lézard, elle s'est retrouvée avec un crocodile. Voilà, c'est ce genre de choses. Alors, il faut bien se renseigner aussi sur son tatoueur. Chercher le bon tatoueur, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ah bon, à ce point-là ? Il y en a si peu ? Ouais, non, il y a de plus en plus. Il n'y a que des mauvais. Il y a de plus en plus de salons parce qu'en fait, on peut s'installer sans diplôme. Ah oui. Donc, il y a de plus en plus de salons qui poussent. Donc, il faut bien se renseigner sur la réputation du tatoueur. Sinon, je donne pas cher de votre peau. N'hésitez pas à aller regarder, œuvrer dans leur studio, avoir des photos de ce qu'ils ont pu faire. À poser des questions et donc y aller en toute confiance. Une fois que vous avez trouvé le bon, jetez l'ancre et foncez. Waouh, super jeu de mots pour terminer. Attention, faut faire aussi attention à sa peau, pas faire sur des grains de beauté, etc. Parce qu'évidemment, le jour où il se passe quelque chose, le grain de beauté est caché sous le tatouage, donc ça c'est quand même pas cool. Se préparer à la douleur parce qu'on n'est pas tous égaux face à ça. Il paraît. Ne pas y aller en se disant qu'un jour on va le faire enlever par un laser, hein, parce que c'est pas le but normalement. De toute façon, ça laisse des cicatrices, on peut jamais l'enlever à 100%. Mmh. Et en plus, ça coûte hyper cher, ça coûte quand même 80 euros pour une séance de 10 secondes. Et ça, on peut le faire tous les deux mois. Une séance de 10 secondes, ouais. T'es rétrapide, bah oui, parce mec. Que le laser, c'est pas super bon pour la peau, donc il faut vraiment y aller très doucement. Mais, faut... mais en 10 secondes, on arrive à faire quand même... Ça éclate en fait les bulles d'encre. Ah oui. Il faut laisser 2 mois pour que le corps élimine après l'encre qui a été explosée. Bien naturel tout ça. Hein. Très naturel. Donc voilà, faire attention, s'accorder un petit délai de réflexion forcément, pas y aller dans les 5 minutes qui suivent l'idée, et bien prendre soin après de son tatouage. Très bien. On retient en tout cas tout ça. Le tatouage, c'est quelque chose qui est encore d'actualité. Hein. Ringard ou pas ringard, ça va, ça vient, j'ai l'impression. Monsieur Porteplume, vous en feriez un, vous ? Absolument terminer. Pas. Non, c'est moi pas votre truc. Pas, non. Monsieur Barjabul. Non, moi non plus, mais par contre, je trouve que des fois, ça fait vraiment pas mal. Notamment ouais. sur des filles, je trouve que c'est. Oui, il y a des choses très jolies. Ça peut être assez. Black Mamba. C'est sexy. Oui, moi j'aimerais bien. Vous comme. Moi j'aimerais bien. Oui, et est-ce qu'on peut savoir un petit peu à quel endroit vous le feriez ? Alors, moi j'hésite. Alors, justement, avec des endroits qui. Une moustache sous le nez. C'est ça. Des endroits qui sont pas forcément recommandés, du type la nuque ou l'intérieur du poignet, etc. Intérieur du poignet parce que ça se voit, c'est difficile de le cacher et on sait que pour trouver un emploi c'est fois, pas ouais. forcément alors on sait pas comment les Peut-être gens vont réagir. Vous aurez trouvé un emploi. Il y en a de plus en plus maintenant, on sait jamais comment les employeurs vont réagir. Donc je réfléchis encore, je me lance pas tant que j'ai pas une idée bien précise. Mais en tout cas, je pense en faire un jour. Si vous êtes tatoueur, n'hésitez pas à envoyer des idées à notre Delphine Black Mamba. Elle se fera peut-être un plaisir un jour d'avoir votre chef-d'œuvre dans la nuque ou sur le poignet. En tout cas, tout de suite, on retrouve une chanson, un nouveau petit morceau pour s'écouter tranquillement et se faire plaisir. C'est pas vraiment tranquille ce qu'on va écouter maintenant parce que c'est Nada Surf, Mother's Day. Ouais, mais moi, je suis tranquille, moi. Même quand j'écoute des trucs énervés. They did that to your sister.
Que vous aimez sur la métropole lilloise, c'est sur RPL, l'autre radio. L'émission des Algos, c'est sur RPL et ça met la patate. Dans quelques instants, on va parler de vélo avec notre très cher porte-plume. Mais tout de suite, on va entamer avec la bulle de Barjabulle. La bulle, la bulle, la bulle, la bulle, la bulle, la bulle de Barjabulle. Monsieur Barjabulle, aujourd'hui, vous venez nous parler de l'abstention. Oui, absolument, sujet que j'avais rapidement évoqué, n'est-ce pas, la semaine dernière. Plutôt en speed. Et donc, effectivement, comme il y avait un petit peu matière à échanger là-dessus, j'ai dit, je ne lâcherai rien, je ne m'abstiendrai pas, je parlerai de l'abstention cette semaine. Bravo. Voilà, alors tiens, un petit tour de table rapide pour savoir entre nous, là nous sommes 5 pour l'instant autour de ce plateau, juste par un oui ou par un non, qui s'est déjà abstenu depuis qu'il est en capacité de voter? Oui. 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 Non. D'accord. Et c'était volontaire ou pas ? Pas vraiment. Tactique ou flemmardise ? Tactique. Alors j'ai une super tactique, alors aucun moi je m'abstiens. Aucun des deux. Aucun des deux ? Non, parce que j'ai déménagé entre deux et j'étais pas inscrite sur les nouvelles listes. Et du coup, je m'y suis prise parce... un petit peu tard. C'était ouais, avant 18 ans, c'était plutôt. Pour la même raison que Black Mamba. D'accord, donc on a deux de nos inscrits. Hein ? Et tactique et flemmardise. D'accord, ok. Et puis il a toujours pas 18 ans, monsieur Porte. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et Grominez, vous déjà, c'était. Non, vous n'avez pas. Non, j'ai dit non alors. Quand j'ai dit non, c'est non, monsieur. Oui, parce que c'est quand même assez remarquable qu'en France, depuis plusieurs décennies maintenant, l'abstention aux élections, quelle qu'elle soit d'ailleurs, progresse significativement dans notre pays, mais d'ailleurs également dans d'autres. Hein, un sur deux en France ne vote pas. C'est incroyable quand même. Hein. Justement, d'ailleurs, j'ai les stats des élections municipales. Alors, ils nous disent par exemple, on partait en 1983, on avait grosso modo 22% d'abstention au premier tour. En 2008... on a 36% d'élections au premier tour. Bon, ça, c'est juste pour un exemple des municipales d'abstention en 2008. D'abstention au premier tour. D'abstention, qu'est-ce que j'ai dit? D'élections. Oui. Je me suis embrouillé. Les élections, il y en a tous les jours. Vous êtes là. Effectivement. Tout ça pour dire qu'effectivement, ça ne fait qu'augmenter. Alors, évidemment, c'est une des manifestations d'une crise démocratique profonde, vous diront certains, caractérisée par une défiance grandissante à l'égard des élus. Hein, on entend d'autres. Ça partout. Voilà. Tous pourris, entre guillemets. Ça, c'est pas écrit, hein, c'est moi qui le dis. Alors, cette progression, évidemment, de l'abstention, elle pose quand même une question, c'est quand même de la légitimité démocratique de nos institutions et notamment de la représentativité des élus par rapport à la réalité c'est de notre société. C'est compliqué. Oui, doucement, j'ai pas le temps de noter. Pas du tout, pas du tout. Il y a trop de syllabes pour M. Grominet. Allez, on va poser une petite question, on va voir si vous êtes bon. Différence entre un vote blanc et un vote nul? Oh non! Oh, si. Vous savez? Bah, le vote blanc, le vote c'est. Blanc, il est pas... Le vote blanc, on ne met rien. Et le vote nul, on inscrit quelque chose sur son petit bulletin. Ouais. Ou on met deux bulletins à la fois, ou des choses comme ça. Voilà. Un truc, pas autorisé, ouais. Quoi. Ou... Tout à fait. Bon, bah, ils sont pas mal. Ou on met des punaises dans l'enveloppe. Ou... Ils sont pas mal. Est-ce que vous saviez que depuis le 21 février 2014. Fais ta souris. Il y a une loi qui vient de paraître. Ah, il y avait une private joke là, on peut partager. Non, il a dit on met une tapette à souris dans l'enveloppe, ça m'intéresse. Ouais. Pour ceux qui ça c'est les cartoons, c'est la génération de cartoons. Allez, on enchaîne, monsieur Barjabulle, parce qu'on n'est pas rentré là. Alors, loi du 21 février 2014, c'est tout frais, hein, ça vient de sortir, qui vise à reconnaître, je sais pas si vous en avez entendu parler, à reconnaître le vote blanc aux élections.
Oui, j'en ai entendu parler, oui. Voilà, alors bon, il faut savoir qu'on va les compter, on va savoir combien il y a de votes blancs exactement. Par contre, ils ne seront pas pris en compte dans le nombre de suffrages exprimés. C'est toujours le cas, oui. Donc, ce sera pas... ce sera entre guillemets pas complètement utile, si j'ose dire. Mais petite information qui vise à lutter un petit peu contre l'abstention, parce c'est qu'en vachement fait... bien ça, je trouve. Ouais, c'est pas mal. Ça peut vraiment du coup symboliser un vrai mécontentement, parce que là aujourd'hui justement entre ceux qui ont la flemme et ceux qui veulent manifester leur mécontentement en n'allant pas voter, ben finalement il n'y a pas de différence. Tout à fait. Et c'est justement dans cette philosophie là que cette loi a été donc sortie, puisque son objectif était de faire reconnaître que le vote blanc est un acte citoyen qui se distingue de l'abstention. Vous voyez, mais il me devance, Parteplume, il est bon, hein. Alors, il faut quand même savoir que sur l'abstention, on pourrait croire que la plupart des gens qui s'abstiennent, c'est effectivement par flemme ou par choix tactique. Il y a aussi, et on en a la preuve autour de cette table, que beaucoup de gens ne peuvent pas aller voter puisqu'ils sont mal inscrits. Ils représenteraient, a priori, une estimation, 20% de l'ensemble des inscrits quand même. Hein. C'est énorme, hein, la malinscription. D'accord. Donc c'est pas la non-inscription, c'est la malinscription. Ça fait pas loin de 1 cinquième, ça, si je ne m'abuse. Alors attendez, je sors la calculette, je prends 20, je divise par 100, je rapproche sur 5, ça fait bien 1 cinquième, exactement. Le dessous des cartes, vous êtes sur Arte. Et alors on estime pour la part de non-inscription, donc là ce sont les gens qui ne font pas la démarche d'aller s'inscrire volontairement, il y aura à peu près 3 millions de Français non-inscrits, donc inscrit sur aucune liste électorale. Et ça fait combien de pourcents des inscrits, ça? 7%. Il est infernal. 7%. Donc, excusez-moi de m'y intéresser, pardon. Autre chose ou pas, monsieur Barjabul? Alors, pour lutter évidemment contre ça, différentes propositions qui ont été faites par des assos ou des bouquins. Alors, je vais vous les citer. On a tout d'abord repoussé le plus tard possible la date de clôture des inscriptions sur les listes électorales, puisque chez ouais, nous... Oui, ça serait pas mal. Voilà, il faut le savoir, parce que il faut s'inscrire au moins 3 mois et demi avant l'élection. Mais généralement, à cette époque-là, en France, on parle pas encore du tout des élections, donc personne n'y pense. Et puis après, c'est un cercle vicieux, donc les gens zappent complètement. Dans certains pays, d'ailleurs, il y a des tests, j'ai vu ça dans certains États américains, où on peut s'inscrire et voter le jour même. Merveilleux. Ah bah oui, ouais, ça serait pas mal. Bien. Comme quoi, ça, c'est tout frais. Donc, effectivement, c'est pas mal. Ensuite, systématiser le caractère automatique de la première inscription. Donc ça, c'est pour lutter contre la non-inscription. Ça, c'est quelque chose qui existe hein, depuis les années 90. Donc ça va se faire progressivement petit à petit maintenant. On enchaîne. Voilà. On a un peu serré dans le timing. On peut harmoniser la liste des pièces demandées effectivement par rapport aux différentes communes. Évidemment, moi c'est la première chose qui me vient, possibilité de s'inscrire et de voter sur Internet. Ça me semble quand même ouais, en 2014. Il y a des petits soucis après pour l'anonymat par contre, de voter sur Internet. Comment on peut s'assurer l'anonymat? Alors, ce que disent surtout ceux qui... On note la question, on va répondre la semaine prochaine si ça vous dérange pas. On a un peu test. D'accord, ok. On pose la question. La question était bonne, c'est vrai qu'avec les exactement. ICP, etc. Et j'avais la réponse, mais puisque je n'ai pas vous l'avez la réponse? Allez-y, vous faites alors on veut la réponse. Là. Non, ce qui est surtout dit par ceux qui veulent pas voter par Internet, c'est surtout le risque de fraude. Oui, d'accord. Mais visiblement, le risque de... De non-anonymat. Voilà, d'anonymat, en fait, n'est pas problématique, visiblement. Donc, techniquement, ça doit pouvoir se résoudre. Et donc, pour le risque de fraude, la réponse, c'est... Oui. Bah, c'est qu'en fait, oui, non, il n'y a pas tellement de risque de fraude. Enfin, en tout cas, pas supérieur à une élection traditionnelle papier telle qu'on la pratique depuis X temps. Ouais. Ok. Tout à fait. Voilà, bon, j'avais des exemples de taux d'abstention, mais je n'ai pas le temps d'en parler, c'est pas grave. J'avais des témoignages de moult gens que j'ai interrogés moi-même dans la rue, partout en France et all over the world, mais je n'ai pas le temps, c'est pas grave. Et j'avais également des petites dates pour vous refaire l'histoire du suffrage, de l'évolution des modes de suffrage en France depuis 1791, ça vous aurait passionné. Et c'est pourquoi je mettrai tous ces renseignements sur notre Facebook national. Bravo, monsieur Barjabul. Moi, j'aime à rappeler juste qu'il y a des personnes qui se sont battues pour la liberté et que ça serait dommage quand même de pas les honorer aujourd'hui, même en 2014, et que Hitler a été élu, il faut le rappeler, par le peuple allemand. Donc juste contre ça, allez voter, c'est très important. On s'écoute tout de suite les Beatles, à tout de suite. Lady Madonna, baby at your breast.
l'émission des sales gosses, c'est sur RPL et ça met la patate. On a pris un petit peu de retard, mais c'est pas grave. On arrive bientôt à l'initiative de la semaine avec notre ami Porte-Plume. Mais avant toute chose, le Pedrolan, l'animal acharné de l'émission. Les questions de Pedrolan. Le Pedrolan, animé par notre Barjabul International. C'est votre jour, monsieur Barjabul. Allez-y, je prends les scores puisque c'est vous qui posez les questions. Tout à fait, thème de la semaine. Les blagues, monsieur et madame ont un fils ou une fille et vous devez retrouver le prénom, bien sûr. On y va, on vous écoute. Alors, on va y aller vite. C'est parti, monsieur et madame de Blues ont une fille. Comment l'appelle-t-il ? Agathe de Blues. Un point pour monsieur Grominet, bravo. Je suis en forme et on est en retard, donc j'ai trouvé tout de suite. Monsieur et madame Dufoy ont 6 filles du même prénom. Oh du même prénom. Du même prénom. Comment s'appelle-t-elle ? 6 fois. Dufoy. Dufoy. J'ai mal, Dufoy. Six filles, hein. Six filles qui ont le même prénom. Le même prénom. Aïe, non. non. Si. Si Dufoy, non. Allez, le prénom était Rose. Si Rose Dufoy. Oh non. Merci beaucoup. Allez, on va redescendre. On va redescendre de niveau, monsieur, madame Nana ont un fils. Comment l'appelle-t-il? Nana. Ouais. Allez, une boisson. Anne. Ah, Nana, non. T'es pas loin. C'est une boisson. En jus, ça fait quoi? Judas Nana, un point pour Porte-Plume. On continue, monsieur et madame Neymar ont un fils. Jean. Ah, deuxième point marqué par monsieur Gourmillet. Enchaîné, celle-là, c'est facile. Hein. Alors, monsieur et madame A ont deux filles. Elles s'appellent pas de la même manière. Comment s'appelle-t-elle? Monsieur et madame A. Comme c'est un peu dur, je vous donne tout de suite le prénom de la deuxième fille. Elle s'appelle Karen. Comment s'appelle la première? Karen. Emma, réfléchit. Ça cherche. Emma, bien joué. Emma Karena, bien joué. C'est marrant comme on l'entend pas, Patoche, quand c'est pas de la culture. On continue, monsieur et madame Culler. Culler, hein, ont une fille. Ori, Lori. Bien joué, l'auriculaire. Allez, vous en avez encore beaucoup ou pas? On a une petite moitié, j'ai encore du gras, oui. Une petite moitié. Vous en voulez un petit pour la route? Oui, allez-y. Allez, monsieur et madame Duff ont un fils. John. Bien joué, John Duff. Et c'est sur un score de 3 pour monsieur Porte-Plume, 3 pour moi-même et 0-0 pour Delphine et Patoche que nous allons laisser pour compte notre Pedro Lan puisqu'on le retrouvera en fin d'émission pour le Pedro Lan de la mort. Mais tout de suite, l'initiative de la semaine avec monsieur Porte-Plume. Initiative de la semaine. Et monsieur Porte-Plume qui a retrouvé son vélo ce matin dans le garage et qui est parti faire un petit tour dans l'île. Exactement, un petit tour et justement on profite du beau temps, donc je vais vous parler un petit peu de cette activité, de ce mode de déplacement. En fait, il y a deux choses qui m'amènent à aborder ce sujet. La première, c'est que l'État français expérimente la mise en place de la prime vélo. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Pas du tout. Oui, c'est pour aller au travail, c'est ça, non? Exactement. En fait, ça correspond à une indemnisation donc pour les personnes qui se déplacent sur leur lieu de travail à vélo. D'accord. Pour l'instant, ça se fait uniquement, donc c'est juste en phase de test, ça se fait uniquement dans quelques entreprises qui ont été ciblées, qui sont volontaires pour tenter l'expérience. Et si ça fonctionne, c'est-à-dire si on voit considérablement le nombre de cyclistes augmenter, eh bien, ce sera ouvert à toutes les entreprises françaises qui souhaitent participer donc à cette action. Alors, pour ne rien vous cacher, ça existe déjà en Belgique depuis 1997. Oui. Hein, j'imagine en Hollande aussi. Donc, autant vous dire que la personne qui a trouvé ça en France, hein, elle s'est pas trop foulée. Copière. Est-ce qu'on aura son nom? Oh non, je ne dévoilerai pas de nom. Donc chez les Belges, l'indemnité est de 22 centimes par kilomètre, alors que chez nous, elle est du coup pour les entreprises qui sont en test, de 25 centimes. Bien. Donc ça peut valoir le coup. Il y a une employée bruxelloise, Laurence de son prénom, qui témoigne de l'expérience parce qu'elle utilise du coup de son vélo depuis un an, et elle explique que
À chaque fin de mois, elle a juste à remplir une petite déclaration sur laquelle elle inscrit le nombre de kilomètres qu'elle a parcouru. Et elle arrive à gagner en moyenne 30 à 50 euros par mois. Oh, enfin, bah ça se prend, va, hein. C'est pas mal. Ça se hein. prend. Ouais, ça se prend. Ouais, parce que c'est du gratuit chez gratuit. Autant la voiture, quand on est remboursé un petit peu, bon, bah, on a dépensé de l'argent avant. C'est du défraiement que là, c'est vraiment, on gagne de l'argent. Ouais, on gagne de l'argent. Ouais. À pédaler. Après, on peut considérer que ça indemnise peut-être un peu l'usure du vélo. Oui, voire des pneus. Des pneus. Rustines. Des pneus. Des pneus. Et du câble à frein. Et qu'est-ce qui prouve qu'elle a effectivement été en vélo, cette Laurence? Elle fait une déclaration sur l'honneur, alors après, effectivement, si elle ment et qu'elle arrive à se regarder c'est moche. Dans un miroir, rend bien lui face. Et si elle y va en roller? Eh ben non. C'est pas roller, c'est vélo. Laurence détourne 50 balles à son entreprise tous les mois, depuis un an. Bravo Laurence. C'est pour ça qu'il y a la crise en Belgique. Laurent, si tu nous écoutes, il faut rendre l'argent. Rends le vélo. Tu rends le vélo. Bien, autre chose. Oui, donc ça a marché en Belgique. Parce que dans les entreprises... Ah non, c'est en France, pardon. Ça marche en France, justement, pour les entreprises qui font le test. Parce qu'on estime que dans celles qui n'appliquent pas la prime vélo, il y a 6,3% de cyclistes contre 9,5% dans les entreprises dans lesquelles la prime vélo était mise en place. C'est bien, 9% des salariés qui vont en vélo alors. 9% de salariés qui vont en vélo dans les entreprises qui appliquent la prime vélo. D'accord. 6,3%. Et non pas 9% des salariés de France qui sont en entreprise. Mais est-ce que ça tient compte et non pas en véhicule? Exactement. Est-ce que ça tient compte de l'abstention? Qu'est-ce que vous avez avec les chiffres ce matin? C'est pas possible. Pour continuer là-dessus, donc la France justement s'est posé la question de savoir si on pourrait pas directement généraliser cette pratique à toutes les entreprises sans même qu'elles soient volontaires. Bien sûr. Et donc la réponse n'est pas encore tranchée. Finalement, on se pose la question. Mais c'est vrai que ça pourrait être une bonne option et Coup, on passerait directement devant nos amis belges. Et on serait donc en pole position. La deuxième chose pour laquelle je voulais vous parler du vélo, c'est que justement avec l'arrivée du beau temps, il y a aussi l'arrivée des pics de pollution. Ça, on en parle pas mal. Et on pourrait se dire, bah ouais, mais le meilleur moyen pour ingurgiter un maximum de microparticules, c'est encore de faire du vélo et de s'essouffler. Eh bien, sachez que c'est faux parce que les personnes qui sont le plus exposées à ces microparticules, ce sont les automobilistes. Pourquoi? Parce que ils se déplacent dans un habitacle confiné. Et du coup, les microparticules stagnent, et c'est finalement cette stagnation qui les rend plus... Mais je croyais qu'il y avait des filtres à particules, moi, dans les voitures. Oui, mais c'est à l'arrière. Ça n'empêche pas les pics de pollution. Ah oui, c'est pour la sortie, peut-être. Oui, c'est pour l'échappement, ça n'a rien à voir. Bah, c'est alors, pas dans les j'ai rien dit. C'est bah, un filtre, visiblement, ça... Si, bah. Ça sent juste que ça n'empêche visiblement pas les pollutions atmosphériques. Oui, mais on parlait de l'habitacle, là. Ouais, tout à fait. Ouais, le filtre à particules, c'est pour la sortie. C'est pour limiter la sortie des... Mais malgré tout, ça n'empêche rien. Oui, il faut enchaîner, Il faut enchaîner. Alors juste, qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, les pires, c'est les automobilistes. Dans les transports en commun, il y a aussi plus de particules que sur votre vélo. Alors par contre, effectivement, il est quand même déconseillé de pédaler comme un dératé et de s'essouffler dans comme le bus. Un fou. Hein, mais non. En vélo, bien sûr. Et que si possible, modifiez un tout petit peu votre axe pour éviter les grands axes, justement. Parce que s'éloigner, justement, des grands axes, je le redis encore une troisième fois, de quelques mètres permet de diviser le taux d'exposition par 2 ou 3. Donc voilà, le message est passé. Prenez vos vélos, foncez, pédalez. Faites du vélo. Exactement. Et c'est parti, patoche. On enchaîne avec Sora, le titre c'est It's So Hard. Oui, RPL, c'est aussi les web radios. Retrouvez RPL 80 et RPL Electro sur le www.rpl99fm.com. It's so hard to leave ya. It's so hard.
Sagos sur RPL tous les mercredis de 11h à midi. Sora, c'était le groupe qui est passé à la station le week-end dernier. Si jamais vous avez l'occasion, on aura peut-être eu la chance de pouvoir les accueillir ici. Un, deux, c'est quatre. Allez, le Pedrolan de la mort avant de conclure l'émission. Le Pedrolan de la mort. Alors, choisissez judicieusement votre dernière question, puisque ça va être le Pedrolan de la mort. C'est le kit ou double de l'émission. C'est ce qui fait qu'on sera célèbre, célèbre ou pas, en sortant de la station ici ce matin. On vous écoute, monsieur Barjabul. C'est parti, monsieur et madame Égé. On faillit avoir un enfant. Comment s'appelle cet enfant masculin? Omer Égé. Non. Oh, je pensais que ça allait être plus facile. Monsieur et madame Égé ont failli avoir un enfant. Amel Égé. Et c'est un blanc. C'est le blanc. Bah alors, Jacques. Bah c'était Yves. Yves Égé. Allez, il y aura pas de gagnant pour cette semaine, c'est comme ça, c'est la vie. Mais en tout cas, c'était un excellent monsieur et déçu, madame. Là. On le connaissait pas, et en tout cas, ça fait plaisir à entendre. Quand même, on reste sur un ex-écho, hein, monsieur Porteplume. Hein. On peut lancer tout de suite le dernier morceau, puisque ça va faire partie un petit peu de la conclusion de cette émission. Car je vous remercie tous d'être venus. Ah, ça fait sacrée soirée, sympa, non? Ainsi se termine donc notre émission. Merci d'être resté avec nous. Retrouvez les podcasts, les liens des sujets abordés et les playlists de Patoche sur Facebook en tapant sur Google Les Sales Gosses, l'émission RPL 99 FM ou sur le site RPL 99 FM. Petit clin d'œil à Godzilla, l'homme aux 1000 km à droite après le rond-point. Lui qui nous met tout ça à jour chaque semaine depuis son bunker en Tchéquie. Dans quelques... Ça va le faire rire. Peut-être pas vous, mais lui, oui. Dans quelques instants, les dégagentés prennent le relais sur RPL. Quant à nous, on se retrouve mercredi 30 avril à 11h pour une nouvelle émission dans laquelle nous recevrons Monsieur Simon Fache, chef d'orchestre de Tourcoing, qui vient de sortir un nouvel album nommé All Inclusive, dont vous entendez le petit morceau ici en introduction. Avec plus de 100 musiciens, tous issus de la métropole lilloise, il vient de réaliser sa release party à l'aéronef dimanche 8 avril et il vient nous faire le plaisir de passer un moment avec nous, avec les Sales Gosses, mercredi 30 avril. Ne ratez pas l'émission. On vous laisse avec le morceau de la fin, du débat, du délire et du bon son. Les Sales Gosses, ça met la patate et c'est sur RPL. Bonne semaine à vous et surtout n'oubliez pas, à force de recycler, la Suède importe des déchets pour faire tourner leur industrie de recyclage. Un Suédois envoie 1% de ses déchets seulement à la déchetterie, pour 38% en moyenne en Europe. Alors oui, l'empreinte du passage de l'homme sur la Terre peut être à zéro. C'est possible. Bonne matinée et bon mercredi à tous. Mr.